La servitude moderne est une servitude volontaire, consentie par la foule des esclaves qui rampent à la surface de la terre. Ils achètent eux-mêmes toutes les marchandises qui les asservissent toujours un peu plus. Ils courent eux-mêmes derrière un travail toujours plus aliénant, que l'on consent généreusement à leur donner s'ils sont suffisamment sages. Ils choisissent eux-mêmes les maîtres qu'ils devront servir. Pour que cette tragédie mêlée d'absurdité pût se mettre en place, il a fallu tout d'abord ôter aux membres de cette classe toute conscience de son exploitation et de son aliénation. Voilà bien l'étrange modernité de notre époque. Contrairement aux esclaves de l'Antiquité, aux serfs du Moyen-Âge ou aux ouvriers des premières révolutions industrielles, nous sommes aujourd'hui devant une classe totalement asservie, mais qui ne le sait pas, ou plutôt, qui ne veut pas le savoir. Ils ignorent par conséquent la révolte, qui devrait être la seule réaction légitime des exploités. Ils acceptent sans discuter la vie pitoyable que l'on a construite pour eux. Le renoncement et la résignation sont la source de leur malheur. Voilà le mauvais rêve des esclaves modernes, qui n'aspirent finalement qu'à se laisser aller dans la danse macabre du système de l'aliénation. À mesure qu'ils construisent leur monde par la force de leur travail aliéné, le décor de ce monde devient la prison dans laquelle il leur faudra vivre. Un monde sordide, sans saveur ni odeur, qui porte en lui la misère du mode de production dominant. Ce décor est en perpétuelle construction. Rien n'y est stable. La réfection permanente de l'espace qui nous entoure trouve sa justification dans l'amnésie généralisée et l'insécurité dans lesquelles doivent vivre ses habitants. Il s'agit de tout refaire à l'image du système. Le monde devient tous les jours un peu plus sale et bruyant, comme une usine. Chaque parcelle de ce monde est la propriété d'un État ou d'un particulier. Ce vol social, qu'est l'appropriation exclusive du sol, se trouve matérialisé dans l'omniprésence des murs, des barreaux, des clôtures, des barrières et des frontières. Ils sont la trace visible de cette séparation qui envahit tout. Mais parallèlement, l'unification de l'espace selon les intérêts de la culture marchande est le grand objectif de notre triste époque. Le monde doit devenir une immense autoroute, rationalisée à l'extrême, pour faciliter le transport des marchandises. Tout obstacle, naturel ou humain, doit être détruit. L'habitat dans lequel s'entasse cette masse servile est à l'image de leur vie. Il ressemble à des cages, à des prisons, à des cavernes. Mais contrairement aux esclaves ou aux prisonniers, l'exploité des temps modernes doit payer sa cage.
Et c'est dans ce logis étroit et lugubre qu'il entasse les nouvelles marchandises qui devraient, selon les messages publicitaires omniprésents, lui apporter le bonheur et la plénitude. Mais plus il accumule des marchandises, et plus la possibilité d'accéder un jour au bonheur s'éloigne de lui. La marchandise, idéologique par essence, dépossède de son travail celui qui la produit et dépossède de sa vie celui qui la consomme. Dans le système économique dominant, ce n'est plus la demande qui conditionne l'offre, mais l'offre qui détermine la demande. C'est ainsi que de manière périodique, de nouveaux besoins sont créés qui sont vite considérés comme des besoins vitaux par l'immense majorité de la population. Ce fut d'abord la radio, puis la voiture, la télévision, l'ordinateur et maintenant le téléphone portable. Toutes ces marchandises, distribuées massivement en un laps de temps très limité, modifient en profondeur les relations humaines. Elles servent d'une part à isoler les hommes un peu plus de leurs semblables et d'autre part à diffuser les messages dominants du système. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Mais c'est encore lorsqu'il s'alimente que l'esclave moderne illustre le mieux l'état de décrépitude dans lequel il se trouve. Disposant d'un temps toujours plus limité pour préparer la nourriture qu'il ingurgite, il en est réduit à consommer à la va-vite ce que l'industrie agrochimique produit. Il erre dans les supermarchés à la recherche des ersatz que la société de la fausse abondance consent à lui donner. Là encore, il n'a plus que l'illusion du choix. L'abondance des produits alimentaires ne dissimule que leur dégradation et leur falsification. Il ne s'agit bien notoirement que d'organismes génétiquement modifiés, d'un mélange de colorants et de conservateurs, de pesticides, d'hormones et autres inventions de la modernité. Le plaisir immédiat est la règle du mode d'alimentation dominant, de même qu'il est la règle de toutes les formes de consommation. Et les conséquences sont là qui illustrent cette manière de s'alimenter. Mais c'est face au dénuement du plus grand nombre que l'homme occidental se réjouit de sa position et de sa consommation frénétique. Pourtant, la misère est partout où règne la société totalitaire marchande. Le manque est le revers de la médaille de la fausse abondance. Et dans un système qui érige l'inégalité comme critère de progrès, même si la production agrochimique est suffisante pour nourrir la totalité de la population mondiale, la faim ne devra jamais disparaître. L'autre conséquence de la fausse abondance alimentaire est la généralisation des usines concentrationnaires et l'extermination massive et barbare des espèces qui servent à nourrir les esclaves.
Là se trouve l'essence même du mode de production dominant. La vie et l'humanité ne résistent pas face au désir de profit de quelques-uns. Le pillage des ressources de la planète, l'abondante production d'énergie ou de marchandises, les rejets et autres déchets de la consommation ostentatoire hypothèquent gravement les chances de survie de notre Terre et des espèces qui la peuplent. Mais pour laisser libre cours au capitalisme sauvage, la croissance ne doit jamais s'arrêter. Il faut produire, produire et reproduire encore. Et ce sont les mêmes pollueurs qui se présentent aujourd'hui comme les sauveurs potentiels de la planète. Ces imbéciles du show business subventionnés par les firmes multinationales essaient de nous convaincre qu'un simple changement de nos habitudes de vie suffirait à sauver la planète du désastre. Et pendant qu'ils nous culpabilisent, ils continuent à polluer sans cesse notre environnement et notre esprit. Ces pauvres thèses pseudo-écologiques sont reprises en cœur par tous les politiciens véreux à court de slogans publicitaires. Mais ils se gardent bien de proposer un changement radical dans le système de production. Il s'agit, comme toujours, de changer quelques détails pour que tout puisse rester comme avant. Mais pour rentrer dans la ronde de la consommation frénétique, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler, c'est-à-dire se vendre. Le système dominant a fait du travail sa principale valeur. Les esclaves doivent travailler toujours plus pour payer à crédit leur vie misérable. Ils s'épuisent dans le travail, perdent la plus grande part de leur force vitale et subissent les pires humiliations. Ils passent toute leur vie à une activité fatigante et ennuyeuse,
pour le profit de quelques-uns. L'invention du chômage moderne est là pour les effrayer et les faire remercier sans cesse le pouvoir de se montrer généreux avec eux. Que pourraient-ils bien faire sans cette torture qu'est le travail ? Et ce sont ces activités aliénantes que l'on présente comme une libération. Quelle déchéance et quelle misère. Toujours pressé par le chronomètre ou par le fouet, chaque geste des esclaves est calculé afin d'augmenter la productivité. L'organisation scientifique du travail constitue l'essence même de la dépossession des travailleurs, à la fois du fruit de leur travail, mais aussi du temps qu'ils passent à la production automatique des marchandises ou des services. Le rôle du travailleur se confond avec celui d'une machine dans les usines, avec celui d'un ordinateur dans les bureaux. Le temps perdu ne revient plus. Ainsi, chaque travailleur est assigné à une tâche répétitive, qu'elle soit intellectuelle ou physique. Il est spécialiste dans son domaine de production. Cette spécialisation se retrouve à l'échelle de la planète dans le cadre de la Division internationale du travail. On conçoit en Occident, on produit en Asie et l'on meurt en Afrique. L'esclave moderne aurait pu se contenter de sa servitude au travail. Mais à mesure que le système de production colonise tous les secteurs de la vie, le dominé perd son temps dans les loisirs, les divertissements et les vacances organisées. Aucun moment de son quotidien n'échappe à l'emprise du système. Chaque instant de sa vie a été envahi. C'est un esclave à temps plein. La dégradation généralisée de son environnement, de l'air qu'il respire et de la nourriture qu'il consomme, le stress de ses conditions de travail et de l'ensemble de sa vie sociale sont à l'origine des nouvelles maladies de l'esclave moderne. Il est malade de sa condition servile et aucune médecine ne pourra jamais remédier à ce mal. Seule la libération la plus complète de la condition dans laquelle il se trouve enfermé peut permettre à l'esclave moderne de se libérer de ses souffrances. La médecine occidentale ne connaît qu'un remède face aux maux dont souffrent les esclaves modernes, la mutilation. C'est à base de chirurgie, d'antibiotiques ou de chimiothérapie que l'on traite les patients de la médecine marchande. On s'attaque aux conséquences du mal sans jamais en chercher la cause. Cela se comprend autant que cela s'explique. Cette recherche nous conduirait inévitablement vers une condamnation sans appel de l'organisation sociale dans son ensemble. De même qu'il a transformé tous les détails de notre monde en simples marchandises, le système présent a fait de notre corps une marchandise, un objet d'étude et d'expérience livré aux apprentis sorciers de la médecine marchande et de la biologie moléculaire. Et les maîtres du monde sont déjà prêts à breveter le vivant.
le séquençage complet de l'ADN du génome humain est le point de départ d'une nouvelle stratégie mise en place par le pouvoir. Le décodage génétique n'a d'autre but que d'amplifier considérablement les formes de domination et de contrôle. Notre corps, lui aussi, après tant d'autres choses, nous a échappé. Le meilleur de sa vie lui échappe, mais il continue, car il a l'habitude d'obéir depuis toujours. L'obéissance est devenue sa seconde nature. Il obéit sans savoir pourquoi, simplement parce qu'il sait qu'il doit obéir. Obéir, produire et consommer, voilà le triptyque qui domine sa vie. Il obéit à ses parents, à ses professeurs, à ses patrons, à ses propriétaires, à ses marchands. Il obéit à la loi et aux forces de l'ordre. Il obéit à tous les pouvoirs car il ne sait rien faire d'autre. La désobéissance l'effraie plus que tout. Car la désobéissance, c'est le risque, l'aventure, le changement. Mais de même que l'enfant panique lorsqu'il perd de vue ses parents, l'esclave moderne est perdu sans le pouvoir qu'il a créé. Alors il continue d'obéir. C'est la peur qui a fait de nous des esclaves et qui nous maintient dans cette condition. Nous nous courbons devant les maîtres du monde et leur police. Nous acceptons cette vie d'humiliation et de misère par crainte. Nous disposons pourtant de la force du nombre face à cette minorité qui gouverne. Leur force à eux, ils ne la retirent pas de leur police, mais bien de notre consentement. Nous justifions notre lâcheté devant l'affrontement légitime contre les forces qui nous oppriment par un discours plein d'humanisme moralisateur. Le refus de la violence révolutionnaire est ancré dans les esprits de ceux qui s'opposent au système au nom des valeurs que ce système nous a lui-même enseignées. Mais le pouvoir, lui, n'hésite jamais à utiliser la violence quand il s'agit de conserver son hégémonie. Pourtant, il y a encore des individus qui échappent au contrôle des consciences, mais ils sont sous surveillance. Toute forme de rébellion ou de résistance est de fait assimilée à une activité déviante ou terroriste. La liberté n'existe que pour ceux qui défendent les impératifs marchands. L'opposition réelle au système dominant est désormais totalement clandestine. Pour ses opposants, la répression est la règle en usage. Et le silence de la majorité des esclaves face à cette répression trouve sa justification dans l'aspiration médiatique et politique à nier le conflit qui existe dans la société réelle. Comme tous les êtres opprimés de l'histoire, l'esclave moderne a besoin de sa mystique et de son Dieu pour anesthésier le mal qui le tourmente et la souffrance qui l'accable. Mais ce nouveau Dieu, auquel il a livré son âme, n'est rien d'autre que le néant, un bout de papier, un numéro qui n'a de sens que parce que tout le monde a décidé de lui en donner. C'est pour ce nouveau Dieu qu'il étudie, qu'il travaille, qu'il se bat et qu'il se vend. C'est pour ce nouveau Dieu qu'il a abandonné toute valeur et qu'il est prêt à faire n'importe quoi. Il croit qu'en possédant beaucoup d'argent, il se libérera des contraintes dans lesquelles il se trouve enfermé, comme si la possession allait de pair avec la liberté. La libération est une ascèse qui provient de la maîtrise de soi.
Elle est un désir et une volonté en acte. Elle est dans l'être et non dans l'avoir. Mais encore faut-il être résolu à ne plus servir, à ne plus obéir. Encore faut-il être capable de rompre avec une habitude que personne, semble-t-il, n'ose remettre en cause. Or, l'esclave moderne est persuadé qu'il n'existe pas d'autre alternative à l'organisation du monde présent. Il s'est résigné à cette vie car il pense qu'il ne peut y en avoir d'autre. Et c'est bien là que se trouve la force de la domination présente. Entretenir l'illusion que ce système, qui a colonisé toute la surface de la Terre, est la fin de l'histoire. Il a fait croire à la classe dominée que s'adapter à son idéologie revient à s'adapter au monde tel qu'il est et tel qu'il a toujours été. Rêver d'un autre monde est devenu un crime condamné unanimement par tous les médias et tous les pouvoirs. Le criminel est en réalité celui qui contribue, consciemment ou non, à la démence de l'organisation sociale dominante. Il n'est pas de folie plus grande que celle du système présent. Devant la désolation du monde réel, il s'agit pour le système de coloniser l'ensemble de la conscience des esclaves. C'est ainsi que dans le système dominant, les forces de répression laissent progressivement place à la dissuasion, qui dès la plus petite enfance accomplit son œuvre de formation des esclaves. Ils doivent oublier leurs conditions serviles, leur prison et leur vie misérable. Il suffit de voir cette foule hypnotique connectée devant tous les écrans qui accompagnent leur vie quotidienne. Ils trompent leur insatisfaction permanente dans le reflet manipulé d'une vie rêvée, faite d'argent, de gloire et d'aventure. Mais leurs rêves sont tout aussi affligeants que leur vie misérable. Il existe des images pour tous et partout. Elles portent en elles le message idéologique de la société moderne et servent d'instrument d'unification et de propagande. Elles croissent à mesure que l'homme est dépossédé de son monde et de sa vie. C'est l'enfant qui est la cible première de ces images, car il s'agit d'étouffer la liberté dans son berceau. Il faut les rendre stupides et leur ôter toute forme de réflexion et de critique. Tout cela se fait bien entendu avec la complicité déconcertante de leurs parents, qui ne cherchent même plus à résister face à la force de frappe cumulée de tous les moyens modernes de communication. Ils achètent eux-mêmes toutes les marchandises nécessaires à l'asservissement de leur progéniture. Ils se dépossèdent de l'éducation de leurs enfants et la livrent en bloc au système de l'abrutissement et de la médiocrité. Il y a des images pour tous les âges et pour toutes les classes sociales. Et les esclaves modernes confondent ces images avec la culture et parfois même avec l'art. On fait appel aux instincts les plus sordides pour écouler les stocks de marchandises. Et c'est encore la femme, doublement esclave dans la société présente, qui en paie le prix fort. Elle en est réduite à être un simple objet de consommation. La révolte elle-même est devenue une image que l'on vend
pour mieux en détruire le potentiel subversif. L'image est toujours aujourd'hui la forme de communication la plus simple et la plus efficace. On construit des modèles, on abrutit les masses, on leur ment, on crée des frustrations. On diffuse l'idéologie marchande par l'image, car il s'agit encore et toujours du même objectif, vendre des modes de vie ou des produits, des comportements ou des marchandises, peu importe, mais il faut vendre. Ces pauvres hommes se divertissent, mais ce divertissement n'est là que pour faire diversion face au véritable mal qui les accable. Ils ont laissé faire de leur vie n'importe quoi et ils feignent d'en être fiers. Ils essaient de montrer leur satisfaction, mais personne n'est dupe. Ils n'arrivent même plus à se tromper eux-mêmes lorsqu'ils se retrouvent face au reflet glacé du miroir. Ainsi, ils perdent leur temps devant des imbéciles censés les faire rire ou les faire chanter, les faire rêver ou les faire pleurer. On mime à travers le sport médiatique les succès et les échecs, les forces et les victoires que les esclaves modernes ont cessé de vivre dans leur propre quotidien. Leur insatisfaction les incite à vivre par procuration devant leur poste de télévision. Tandis que les empereurs de la Rome antique achetaient la soumission du peuple avec du pain et les jeux du cirque, aujourd'hui, c'est avec les divertissements et la consommation du vide que l'on achète le silence des esclaves. La domination sur les consciences passe essentiellement par l'utilisation viciée du langage, par la classe économiquement et socialement dominante. Étant détenteur de l'ensemble des moyens de communication, le pouvoir diffuse l'idéologie marchande par la définition figée, partielle et partiale qu'il donne des mots. Les mots sont présentés comme neutres et leur définition comme allant de soi. Mais sous le contrôle du pouvoir, le langage désigne toujours autre chose que la vie réelle. C'est avant tout un langage de la résignation et de l'impuissance, le langage de l'acceptation passive des choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent demeurer. Les mots travaillent pour le compte de l'organisation dominante de la vie. Et le fait même d'utiliser le langage du pouvoir nous condamne à l'impuissance. Le problème du langage est au centre du combat pour l'émancipation humaine. Il n'est pas une forme de domination qui se surajoute aux autres. Il est le cœur même du projet d'asservissement du système totalitaire marchand. C'est par la réappropriation du langage, et donc de la communication réelle entre les personnes, que la possibilité d'un changement radical émerge de nouveau. C'est en cela que le projet révolutionnaire rejoint le projet poétique. Dans l'effervescence populaire, la parole est prise et réinventée par des groupes étendus. La spontanéité créatrice s'empare de chacun et nous rassemble tous.
Pourtant, les esclaves modernes se pensent toujours citoyens. Ils croient voter et décider librement qui doit conduire leurs affaires, comme s'ils avaient encore le choix. Ils n'en ont conservé que l'illusion. Croyez-vous encore qu'il existe une différence fondamentale quant au choix de société dans laquelle nous voulons vivre, entre le PS et l'UMP en France, entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, entre les travaillistes et les conservateurs au Royaume-Uni? Il n'existe pas d'opposition, car les partis politiques dominants sont d'accord sur l'essentiel, qui est la conservation de la présente société marchande. Il n'existe pas de parti politique susceptible d'accéder au pouvoir qui remette en cause le dogme du marché. Et ce sont ces partis qui, avec la complicité médiatique, monopolisent l'apparence. Ils se chamaillent sur des points de détail pourvu que tout reste en place. Ils se disputent pour savoir qui occupera les places que leur offre le parlementarisme marchand. Ces pauvres chamailleries sont relayées par tous les médias dans le but d'occulter un véritable débat sur le choix de société dans laquelle nous souhaitons vivre. L'apparence et la futilité dominent sur la profondeur de l'affrontement des idées. Tout cela ne ressemble en rien, de près ou de loin, à une démocratie. La démocratie réelle se définit d'abord et avant tout par la participation massive des citoyens à la gestion des affaires de la cité. Elle est directe et participative. Elle trouve son expression la plus authentique dans l'Assemblée populaire et le dialogue permanent sur l'organisation de la vie en commun. La forme représentative et parlementaire qui usurpe le nom de démocratie limite le pouvoir des citoyens au simple droit de vote, c'est-à-dire au néant, tant il est vrai que le choix entre gris clair et gris foncé n'est pas un choix véritable. Les sièges parlementaires sont occupés dans leur immense majorité par la classe économiquement dominante, qu'elle soit de droite ou de la prétendue gauche social-démocrate. Le pouvoir n'est pas à conquérir, il est à détruire. Il est tyrannique par nature, qu'il soit exercé par un roi, un dictateur ou un président élu. La seule différence dans le cas de la démocratie parlementaire, c'est que les esclaves ont l'illusion de choisir eux-mêmes le maître qu'ils devront servir. Le vote a fait d'eux les complices de la tyrannie qui les opprime. Ils ne sont pas esclaves parce qu'il existe des maîtres, mais il existe des maîtres parce qu'ils ont choisi de demeurer esclaves. Le système dominant se définit donc par l'omniprésence de son idéologie marchande. Elle occupe à la fois tout l'espace et tous les secteurs de la vie. Elle ne dit rien de plus que « produisez, vendez, consommez, accumulez ». Elle a réduit l'ensemble des rapports humains à des rapports marchands et considère notre planète comme une simple marchandise. Le devoir qu'elle nous impose est le travail servile. Le seul droit qu'elle reconnaît est le droit à la propriété privée. Le seul dieu qu'elle arbore est l'argent. Le monopole de l'apparence est total. Seuls paraissent les hommes et les discours favorables à l'idéologie dominante. La critique de ce monde est noyée dans le flot médiatique qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal, ce que l'on peut voir et ce que l'on ne peut pas voir. Omniprésence de l'idéologie, culte de l'argent, monopole de l'apparence, parti unique sous couvert du pluralisme parlementaire, absence d'une opposition visible, répression sous toutes ses formes, volonté de transformer l'homme et le monde. Voilà le visage réel du totalitarisme moderne, que l'on appelle démocratie libérale, mais qu'il faut maintenant appeler par son nom véritable,
le système totalitaire marchand. L'homme, la société et l'ensemble de notre planète sont au service de cette idéologie. Le système totalitaire marchand a donc réalisé ce qu'aucun totalitarisme n'avait pu faire avant lui. Unifier le monde à son image. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exil possible. Save that burn crosses!
you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Those who died are justified for wearing a badge. They get chosen white. You're justified. Those that died for wearing a badge. They get chosen white. Justified. Those that died for wearing a badge. They get chosen white. Come on. Motherfucker!